Tu sais que je suis à Londres toute la journée et que je rentrerai tard. Pour manger, je t'ai préparé ce qu'il faut dans le frigo. Pour tes devoirs, ils sont sur la VR57. S'il te plaît, fais-les tout de suite. Tu sais que tu as un contrôle demain et qu'il faudra te coucher de bonne heure. Allez, je t'embrasse. Il est tout à fait intéressant d'observer que la matière est composée de certaines molécules identiques qui peuvent présenter des comportements très différents dans des situations pourtant similaires. Et c'est ainsi que l'ordre... Dans le monde d'insectes, Jérémy. Tout d'abord, choisis ton personnage. Tu choisis Fulgor. Bien. Choisis ton compagnon. Daltonio. Choisis ton arme à présent. La guitare à couleur, parfait. Le décor. L'île aux ronces. Ah ah, intéressant mais risqué. Maintenant, tu es Fulgor. Tu es bien coordonné? Bien, ton arme maintenant. Vérifie-la. Bien, bien. Ta mission consiste à ramener du pollen de Prismaflora pour sauver le grand Pantomus. Mais attention aux terribles grenouilles. La voilà, là! La Prismaflora! Nous sommes sauvés! Nous sommes sauvés! On a du pollen! Ouais, je n'aime pas cet endroit. Allez! Juste le temps de récupérer le pollen! Daltonio! Sauve-toi! Dijon camp! Daltonio! Et voilà le travail! Retour à la base, en avant! Comment tu te sens, Daltonio? Je me sens tout sombre! Jérémy, t'es vraiment pas sérieux! Encore en train de jouer! Et maintenant, Monsieur Fulgor, c'est terminé! Oh non! Tu retournes immédiatement à tes devoirs. Il est composé de certaines molécules identiques qui peuvent présenter des comportements très différents dans des situations... Alors, on ne joue plus? J'ai dit les devoirs. Certains gaz explosent.